Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous nous retrouvons sur une petite vidéo test hardware d'un accessoire pour téléphone portable ou pour petite caméra digitale numérique, comme vous le souhaitez. Alors c'est un accessoire que j'ai payé 14,90 €. Je vous montre la facture, elle est juste là. 14,90 € et l'accessoire en question c'est une lentille, un zoom, écran large. Donc, qui se connecte à votre téléphone portable et ou votre caméra vidéo via un petit aimant. Donc, c'est ça en fait. Vous le voyez, je l'ai accroché à mon Sony Xperia Mini, juste ici, à l'écran. Bon, il est un peu dégueulasse. Hein. Il date pas d'aujourd'hui, le petit Sony là. J'ai fait des tests. J'ai fait des tests dans la rue, j'ai fait des tests chez moi. Et c'est plutôt concluant. Je vous montrerai tout ça en image. En tout cas, je suis satisfait quand même de la chose. Alors, un petit coup d'œil sur l'emballage du truc, hein, c'est vraiment un bout de plastique tout pourri. Les frais de port étaient offerts, hein, j'ai oublié de le dire. Donc du coup, j'ai rien rajouté, c'était 14,90 €. Je l'ai payé sur eBay, sur une boutique qui s'appelle acobj.fr, hein, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, il y a une notice aussi, hein. Il y a une notice qui est juste là. Attendez. Donc en fait c'est un accessoire chinois. Je sais pas si je l'ai dit, mais je pense que je l'ai dit. C'est un accessoire chinois tout simplement parce que sur la notice, on le voit tout de suite. Donc nous avons l'anglais qui est là, l'anglais. Donc qui nous montre comment installer la chose. Et de l'autre côté donc du chinois. Franchement, ça s'installe très facilement. En fait, vous avez différents, comment on appelle ça, des petits anneaux, voilà, des anneaux magnétiques qui sont juste là. Vous décollez la partie blanche et vous la collez sur votre téléphone portable qui est là. Vous le voyez ici, hein, un petit anneau métallique qui vient se coller sur votre coque, qui va vous permettre d'accrocher le zoom ou la lentille. Le zoom ou la lentille grand angle. Alors, il faut savoir aussi qu'il y avait un autre truc avec. Attendez, il est dans ma poche. Parce que je l'ai testé tout à l'heure dans la rue. Donc, il y a ça aussi qui est livré avec. Vous avez une sorte de porte-clés qui va vous permettre de transporter votre lentille partout. Et vous avez également donc un petit cache pour protéger votre lentille. Et en fait voilà, ça s'accroche comme ça. Vous l'accrochez à votre porte-clés, à vos clés quoi, et vous le transportez. Et dès que vous voyez un événement magnifique, fabuleux, vous sortez votre petite lentille, vous l'installez tout de suite sur votre téléphone portable. Comme ça, vous appuyez sur le tac, vous appuyez sur le machin comme ça. Si ça se lance, ça va se lancer. Il bug mon téléphone, je suis désolé. Voilà. Allez, ah merde. Forcément, ça marchera pas si je décolle pas le machin. Vous l'installez. Et vous voyez, ça fonctionne. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu comme ça, très rapidement. Et puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai les photos et les vidéos que j'ai prises avec cette lentille. Tac. Non, ça se voit pas trop sur le. Attendez. Si, si, ça se voit. Alors, vous voyez là, on a une image assez grande de la chose. Et en fait, dès que vous mettez la lentille, si je la mets, si j'arrive à bien la mettre, non, vous voyez pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, si, c'est bon. Hop. En fait, l'image est agrandie. Elle est beaucoup plus large. Et si vous zoomez sur la chose, en fait, vous avez une sorte d'effet GoPro. Je sais pas si vous voyez la chose. Et c'est assez sympathique comme effet. Hein. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait de mon achat. Hein. Comme je vous l'ai dit, je l'ai payé 14,90 €. Je pense qu'on peut le trouver moins cher parce que moi, je l'ai acheté sur un site français. Donc, sur un vendeur, hein, français
qui vendait sur eBay, mais je pense que si vous cherchez bien, vous pouvez le trouver sur eBay, peut-être à 5,90 €. Je dis bien peut-être, hein. Mais le produit provient forcément de Chine et donc le temps d'attente est forcément allongé. Donc moi je vous conseille de le prendre chez gacobj.fr. Et donc sur ces images, je vais vous laisser, hein. En fin de vidéo, je vous mettrai les exemples très rapidement, hein, donc les quelques photos que j'ai prises et les vidéos. En tout cas, moi personnellement, je suis satisfait de la chose et je regrette pas mon achat. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à toutes. Ciao, ciao!